vous allez bien, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il est 8h15 du matin, la luminosité va changer, je trouve qu'elle est un peu trop claire. Bref, je fais de mon mieux, je filme quand je peux filmer. Donc, cette semaine, enfin, il y a dans cette vidéo plutôt, je vous retrouve avec 3 nouveaux romans de la rentrée littéraire, 2 de littérature française et 1 de littérature étrangère, italienne exactement. C'est le, il y a deuxième roman de la rentrée littéraire italienne que je lis. Et pour l'instant, c'est un banger. Cette rentrée littéraire italienne est géniale parce que je vous avais parlé de... Il y a La couleur noire n'existait pas de Greta Olivio que je vous laisse ici, qui était un premier roman. Celui de littérature italienne dont je vais vous parler dans cette vidéo est également un premier roman. Génial, enfin bref, c'est trop bien. Du coup, j'avais vraiment envie de vous parler de ces romans, surtout de deux. Du coup, je vous montre. Celui de littérature italienne, c'est celui-ci. Franchement, il est trop beau en plus. Quand on l'a reçu, j'étais en mode, il faut que je le lise, il a l'air trop bien. Et ensuite, ces deux-là, les deux de littérature française. Donc, issus de plus petites maisons d'édition que Albin Michel, Grasset, Flammarion et tous les gros mastodontes. Puisqu'on en a un chez Juilliard, un aux éditions de L'Archipel. Et celui-ci qui est publié chez Istia et compagnie. Donc, on commence cette vidéo tout de suite. Alors, le premier roman de cette vidéo, du coup, c'est ce magnifique Il y a la vie qui reste de Roberta Recchia. Comme je vous le disais, roman italien, d'une autrice italienne, son premier roman. Et quand on l'a reçu, je me suis dit, t'as la couverture est incroyable. Et pour le coup, l'extérieur est aussi bien que l'intérieur. J'ai vraiment adoré ce roman, mais vraiment, vraiment adoré. Je l'ai lu en 3 jours, sachant que le premier jour, je crois que j'ai lu 200 pages de suite. Je l'ai trouvé incroyable, je pense que c'est un de mes préférés de cette rentrée littéraire. Pour ce qui concerne la rentrée littéraire étrangère, ce sera très certainement mon préféré. Et en fait, je m'étais dit, il faut que je le lise quand on l'a reçu. Et quelques semaines plus tard, alors que je ne l'avais toujours pas lu, j'ai entendu dire sur les réseaux qu'il était génial. Donc je me suis dit, vas-y, je l'emprunte parce que sinon... Sinon ça va jamais se finir, donc ça c'est celui que j'ai chez moi, je vais le ramener, il ne nous en reste aucun à la librairie, on a vendu les deux autres, j'en ai recommandé parce qu'apparemment c'est un roman phénomène en Italie et dans le monde, il se vend très bien, du coup voilà. Bref, donc ce roman est triste, je préviens, il est triste mais il y a de l'espoir, il est beau. Donc on est triste en le lisant mais c'est pas non plus plombant comme certains romans peuvent l'être. Du coup... On va suivre une famille composée de Marisa et Stelvio, qui sont un couple, ils habitent Rome. On va avoir des flashbacks dans leur jeunesse où Marisa, elle est enceinte d'un homme qui la lourde. Du coup, pour redorer son image, on va dire... Sa famille veut qu'elle épouse Stelvio, Stelvio qui est un jeune livreur qui aime bien Marisa. Elle perd ensuite le bébé, finalement il se marie par amour. Marisa, elle aide son père Ettore dans sa boutique, une boutique d'alimentation où il vend plein de ultra bons produits. Tout le monde vient de l'Italie entière pour acheter là-bas. Du coup voilà, ils forment un couple, des années plus tard ils ont deux enfants qu'ils vont appeler Ettore en hommage à son père et Elisabetta. Et ça, ces moments de ce couple principal qui sont jeunes, j'ai vraiment adoré, je l'ai trouvé hyper intéressant. Du coup ça se passe à Rome, à une époque où quand on se marie on fait des enfants et pas avant. Du coup, ils font des enfants, Ettore, donc le fils aîné, devient pianiste, il va travailler à l'étranger, il va être très célèbre, etc. Et Elisabetta, elle a 16 ans, c'est une jeune femme qui fait déjà assez femme, qui plaît aux hommes, elle en joue, etc. Elle est vue comme assez séductrice, etc. Et un été, alors qu'elle est avec sa cousine, Myriam, donc, qui est la fille de la sœur aînée de Marisa, qui s'appelle Emma, une créatrice de mode qui fonctionne ultra bien. Et ben, les deux cousines sont ensemble avec Marisa et Stelvio. Et Beta se fait tuer à la plage. Sauf que Myriam était avec elle et qu'elle est rentrée à la maison comme si de rien n'était.
Et que ce poids, cette culpabilité va vivre avec elle des années durant. Forcément, t'es à la plage avec ta cousine, sur il y a ta propre idée en plus, et tu te fais violer, et ta cousine aussi, et elle se fait tuer, et toi t'es rescapée et t'as assisté à ça. Donc vous imaginez le poids intense. Du coup, on va suivre Myriam ensuite, suite à la mort de Elisabeth. On va suivre également les parents de Beta qui sont totalement dévastés, logique. Surtout Yamarisa qui reste des semaines, des mois durant chez elle sans sortir. Stelvio reprend le magasin familial mais elle, elle est incapable de faire quoi que ce soit. Myriam, elle est totalement prostrée donc elle retourne dans son internat hyper huppé en Suisse, etc. Elle vit encore dans... il y a l'appartement que sa mère lui prête à Rome, un truc de standing. Mais ben, la richesse extérieure ne cache pas la pauvreté intérieure. Elle est malheureuse comme les pierres. Elle ne bouffe quasiment plus et elle va même commencer à prendre des cachets par un certain Léo, duquel elle va se rapprocher. Lui, il va commencer vraiment à l'adorer. Et il va vouloir l'aider, se rendant bien compte qu'il y a un problème avec... avec Myriam. Il y a également la grande sœur de Léo qui est un personnage assez important, elle s'appelle Coralina, elle est trans. Ça, j'ai trouvé ça intéressant également comme sujet, du coup c'est un livre qui est plein de sujets. Et Coralina va vraiment pousser son frère à aider Myriam en lui apprenant ce qu'elle a vécu parce qu'il n'était pas du tout au courant. Du coup Coralina va se rapprocher des... il y a parents de Beta, enfin bref, il se passe pas mal de choses sur la famille, sur surmonter un deuil, sur le poids de la culpabilité, sur plein de sujets. Et il y a également un autre personnage qui est important, c'est Laetitia, donc la mère de Yamarisa qui était si intransigeante lorsque sa fille a eu, enfin était enceinte d'un homme qui l'a quitté. Et qui sait que Myriam savait, enfin a vécu quelque chose de dramatique et savait pour sa cousine avant même que les gens la retrouvent et sachent qu'elle était morte. Elle savait qu'elle avait vécu quelque chose de grave mais n'a rien fait. Voilà, bref, ce livre évoque plein de sujets. Bon, forcément c'est triste, il y a aussi des scènes de violence, de viol sur Coraline. Qui, du fait qu'elle est différente, des hommes ont profité de ça, surtout en Italie qui est un pays assez catho sur les mœurs, etc. Puis à l'époque, t'es trans, c'est encore moins bien vu que ça peut l'être actuellement. Bref, un livre absolument incroyable auquel je mettrais sans rire 9,5, 10 sur 10, ça a été réellement un coup de cœur. Je pense même que je vais l'acheter parce que j'ai envie de le prêter autour de moi. Mais par contre, qu'on me le rende dans un bon état, s'il vous plaît, parce qu'il est beau. Voilà. Ensuite, L'éclipse de Sarah Bussy. Un livre que j'ai lu d'une traite, un dimanche. Je l'ai lu complètement entier un dimanche. Il fait 250 pages. C'est un livre que je souhaitais lire depuis longtemps. Et je me souviens très bien que lorsque j'ai reçu le bon de commande, je m'étais dit que ça avait l'air assez intéressant, assez original, un peu osé, mais intéressant. Je vous explique. On suit Camille. Camille qui a 34 ans au début du récit, qui a un compagnon. Et ils ont un enfant qui s'appelle Rose, elle a un an. Et un jour, alors qu'ils sont en forêt, elle se dit, et si je disparaissais? C'est vraiment une idée comme ça, une idée qui va lui venir et qui va rester dans sa tête. Et alors que son compagnon et leur fils sont à l'avant et qu'ils crient Camille, elle se cache, elle reste en arrière et elle disparaît. Elle prend un car, direction le Danemark, ensuite elle va je ne sais plus où. Et ce voyage dure 3 jours. Alors on ne sait pas où elle va, je présume que c'est l'Islande parce qu'à un moment elle prend un bateau, donc voilà. Donc elle arrive dans un environnement qu'elle ne connaît pas du tout. Hyper froid où les éléments sont très très forts, il y a vraiment cette omniprésence du froid un peu dangereux quoi, parce qu'en plein hiver faut pas être à l'extérieur, tempête de neige, du lac, de la forêt. En gros elle quitte une forêt qu'elle a décidé de quitter pour retourner dans une qu'elle a choisie parce que la maison où elle va vivre
ça va être dans une forêt, une yamaison inhabitée qu'elle va habiter avec ses maigres yapossessions. Et voilà, elle change complètement de vie des années durant. Je ne vais pas vous dire durant combien d'années ce roman se déroule, mais c'est assez long. Elle décide complètement de couper avec sa famille, de couper les ponts. Elle va juste envoyer un mail à Thomas pour lui dire qu'elle est partie, mais qu'elle va bien, mais qu'il n'essaye pas de la joindre. Elle donne zéro nouvelle à sa famille, ses amis, etc. Bref, c'est quand même assez violent et on ne sait pas pourquoi elle fait ça. Et en fait, on ne va jamais vraiment savoir pourquoi, sans spoil. Donc les premières semaines, elle se balade, elle reste dans la chaleur de cette yamaison. Elle arrive en plein été, sauf que plein été en Islande, vous vous doutez bien, il ne fait pas 35. Elle va faire la connaissance de certains habitants comme Yapal et Yamaria, qui sont un couple qui, je le dis à l'italienne, mais elle n'est pas italienne, bref, qui habitent dans une maison en face. Ils ont 3 enfants, elle va se prendre d'affection pour ce couple et ses enfants, qui lui rappellent sûrement sa propre fille qu'elle ne voit plus. Mais elle ne se confie que ultra peu, ils ne savent, il n'y a pas pourquoi elle est là. Les habitants du village se demandent ce qu'une étrangère peut bien foutre ici. Heureusement, elle y a parle anglais et les Scandinaves, ceux qui habitent au nord, parlent très bien anglais. Donc ça se passe bien. Et puis à un moment, elle va avoir une opportunité de travail. Il faut savoir que Camille était chef cuisinier en France. Chef cuisine, oui. Très, très pro, assez sévère, assez intransigeante, hyper méticuleuse. Et elle va avoir une opportunité d'ouvrir son propre restaurant qu'elle va appeler l'Eclipse. Qui va très bien fonctionner. Il va vraiment y avoir ce processus de création de nouvelles recettes avec des aliments de l'île, locaux quoi. Elle va devoir s'habituer en fait à travailler avec des aliments nouveaux, expérimentés, etc. Et il y a un moment que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'elle n'arrive pas à traduire la quantité de verbes qu'on a en français pour la cuisine, genre cuisiner, enfin du style cuire, faire revenir, enfin tout plein de verbes qu'on a en cuisine où il n'y a pas vraiment d'équivalence en anglais. Du coup elle est un petit peu démunie. Bref, il va y avoir ça, il va y avoir cette arrivée vraiment assez soudaine dans cet environnement qu'elle ne connaît pas. Elle voulait un endroit froid, je sais pas exactement pourquoi. Et elle va ressentir une énorme joie, elle va se couper les cheveux. Ça c'est une scène que j'ai trouvée assez forte, comme une renaissance en fait. Je me suis dit putain, c'est quand même violent, une mère qui abandonne comme ça sa famille. Bon après franchement je ne l'ai pas vraiment jugée, je me suis jamais dit putain c'est une grosse connasse de faire ça truc. Non, j'ai gardé mon esprit ouvert. En plus, l'environnement est très fort, très présent comme un second, il y a personnage principal. Du coup, je me suis vraiment plongée dans cette ambiance de grand froid auquel je ne suis pas trop habituée. Il y a parce que je lis rarement des romans qui se passent dans le grand froid. Et voilà, j'ai suivi sa vie. Elle va se rapprocher d'un volcanologue qui s'appelle Jonas, qui donne également des cours à l'université. Ils vont être en couple, elle ne va rien lui dire sur sa vie, il la trouve très secrète. Et un jour, alors qu'il lui propose de venir avec lui à Paris pour une convention, un meeting quoi sur son travail, elle va se dire, punaise, mais si je tombe sur Thomas et Rose, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là qu'elle va être un peu en contact avec des gens de son passé. Je ne vais pas vous en dire plus. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai trouvé hyper intéressant. En plus, l'autrice est directement allée en Islande, de ce que j'ai compris. Il y a parce qu'elle remercie à la fin en disant qu'elle a loué quelque chose, etc. Bref, voilà, un changement de vie brutal en laissant tout son passé et sa famille derrière soi. J'ai trouvé ce roman hyper intéressant. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Et je lui mettrais, je sais pas, un 8,5 sur 10 facilement. Et ensuite, on a L'Idole de Vincent Delareux, publié aux éditions de L'Archipel. Je n'ai jamais rien lu aux éditions
de l'archipel. Bon, clairement, j'ai choisi ce roman pour sa couverture parce que je le trouvais très beau. Le titre assez accrocheur, je me suis dit ça a l'air cool. Alors, bof, ça n'a pas été un coup de cœur. Je suis quand même contente de l'avoir lu parce que ben voilà. Mais ça n'a pas été si intéressant que ça. Il y a un autre roman hyper intéressant sur la célébrité qui s'appelle Célèbre de Maud Ventura qui est là. Voilà, bon, j'ai la, les éditions non. Enfin, j'ai l'édition épreuve non corrigée, donc c'est pas très beau, mais voilà. Ça, c'est bien. Mais bon, alors, celui-ci, on suit Séraphine. Séraphine qui a 46 ans, qui est une star incroyable, du même type que Céline Dion, etc. Ça fait 25 ans qu'elle est ultra célèbre. Elle a un impresario qui s'appelle Ya Bernard, et alors qu'elle doit faire un spectacle, un show, elle n'a pas du tout envie, elle a envie d'arrêter, de prendre du temps off. Jamais Bernard refuse, hein, forcément c'est sa poule aux œufs d'or, il va pas lui dire bah oui vas-y repose-toi 6 mois, il n'y a pas de souci. Du coup il y a quelques éléments quand même assez similaires avec celui-ci, voilà. Et en fait, ce roman se déroule sur une semaine et c'est un roman, je précise, où il y a énormément de répliques qui fusent. On a l'impression de voir un spectacle de via théâtre. C'est assez impressionnant. On suit surtout, il y a deux personnages principaux, du coup Séraphine et Salvatore, qui est un fan, plutôt un saseng, comme on dit en Corée, un fan excessif, parce qu'il va aller jusqu'à la kidnapper et la garder prisonnière une semaine durant. Il va faire des actions hyper cheloues. Du coup, voilà, ça fuse énormément, c'est assez loufoque. Il y a peut-être un peu trop, j'ai trouvé, ça allait un peu trop loin à mon sens. Il n'y a pas beaucoup de descriptions, mais du coup énormément de dialogues entre cette idole et ce fan. Mais Salvatore, il l'idolâtre d'une façon assez hardcore, parfois avec des moments similaires avec celui-ci où vraiment les fans sont complètement fous, voilà. Je vous jure, il y a des scènes, mais vraiment rien qu'en y repensant, ça me donne envie de vomir. Du coup, Séraphine confie son mal-être à ce fan, elle est enfermée, elle se dit bah vas-y hein. Elle lui raconte sa vraie vie, qu'elle n'est pas du tout issue d'une famille ya pauvre, ya mais riche. C'était vraiment pour faire pleurer dans les chaumières et ce coup ya marketing m'a super bien fonctionné. Une idée de ya Bernard. Salvatore n'y croit ya pas du tout. Salvatore qui est un vieux garçon qui a 37 ans, qui a des dents toutes pourries, qui a un postiche et qui kidnappe son idole, voilà. Il la vouvoie, il l'appelle Aya Madame, etc. Il la fait manger sur une assiette à sa propre effigie avec sa tête à elle et elle trouve ça répugnant. On voit à quel point Séraphine, qui s'appelle en vérité Albertine, rejette la célébrité. Elle dit à quel point c'est de la merde et ça la saoule. Et Salvatore ne peut pas y croire, il trouve ça hallucinant que Séraphine soit aussi violente dans le fait de vivre cette célébrité. Bref, voilà, c'est sur ça, bon c'est assez fin, hein, ça se lit vite. Il fait 190 pages, mais pour autant je l'ai lu en 3 soirs, donc pour vous dire à quel point ça ne m'a pas non plus transcendé. Les chapitres sont non divisés selon les jours de ça. Je vous jure que le français je le maîtrise plus, ça me saoule. En fait je maîtrise plus aucune langue, c'est super bien. De son incarcération, on va dire, même si c'est pas le mot, vous voyez. Bref, et la fin est très surprenante. Mais bon, je lui mettrai un 6 sur 10 grand max, ça ne m'aura pas changé la vie. Mais la couverture est trop belle. Mais franchement, si vous souhaitez par contre en savoir plus sur la célébrité et être vraiment plongé dans le truc, c'est ça. Et en plus, il y a Maud Ventura, s'était énormément renseigné sur la célébrité en y en interrogeant entre autres des personnes célèbres. Donc ça, je pense que c'est plus... C'est un peu loufoque aussi, mais ça reste un peu plus véridique, je pense, que ça. Bref. Bref, voilà, je vais terminer cette vidéo, il est tôt, j'arrive même pas à m'exprimer, je m'excuse par avance, mais je m'excuse sans m'excuser parce que j'y suis pour pas grand chose. Mais je rebégaye beaucoup en ce moment, beaucoup de stress, c'est pas évident.
J'ai hâte d'être en Corée, je vous le dis. Même si là-bas ça va être difficile parce que ben j'ai 3 langues à maîtriser chaque jour. Donc c'est pas simple, mais pour le moral ça va me faire du bien. Bref, c'en est tout pour cette vidéo de 3 romans de la rentrée littéraire. 1 de littérature étrangère, celui-ci, et 2 de littérature française. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Littéralement mon préféré c'est celui-ci qui est un fucking banger. Celui-ci en seconde position. Et le dernier qui était un petit peu trop what the fuck j'ai trouvé. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, vous aura donné de nouvelles idées pour cette rentrée lit. Merci de l'avoir regardé et moi je vous retrouve dans quelques jours dans une nouvelle. Bye!